Et salut à tous, c'est Noé, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Dunfall. Oui. Nous nous rendions du coup au troisième étage, si je ne dis pas de bêtises. Il s'est passé des trucs très très bizarres dans le dernier épisode. Et du coup, Agnès se joint à nous pour essayer de sauver notre femme, Ivy. Et donc voilà, nous avons une invitation pour aller à la soirée. C'est parti! Agnès bug! Ça fait bugger Agnès, quoi. Xavier, on dirait qu'une grosse fête se déroule, mais où sont tous les invités? Je sais pas, j'aime pas du tout le bruit derrière, là. Il est pas très gentil, là! Is this one of... Je pense, ouais. But it doesn't mean she hasn't got one hiding inside of her. Sophie, regardez. Difficile à dire à cause du masque, mais elle a l'air plutôt en colère. Bonjour. Go away. Ah, ils ont baissé le bruit de la fête, ça fait du bien. Don't look at me. Qu'est-ce qui lui arrive? Allez, c'est une fête! Come on, it's a party. Yeah, my. Fête d'anniversaire de mes 18 ans. Party. Just look at all these people. Y'a personne. I will never be like them. Never. Ah, il est marrant le masque qu'il y a là. Mais pourquoi tu n'as pas besoin d'être comme eux, rien ne cache chez toi. Be like them. There's nothing wrong with you. Nice to me because you see it too. Je vois quoi? Do you know what I'm gonna do? I really don't. The only thing I know how to do. Oui? The only thing that comforts me. The only thing that's left. Ah, tu vas manger. Ah ouais, putain. C'est par rapport au problème d'Ivy. You're gonna eat. Yes, I'm gonna eat. Like a pig. Elle fait de la boulimie aussi. A disgusting, hungry animal. Ah, pas cool. Eat until the stupid fat body explodes and scatters the room. My bloody dress. But why? Harrison, I was a fool thinking you could ever fall in love with someone like me. Putain, la VO est super bien faite, franchement. C'est j'en ai des frissons. He said I'm fat and ugly. Ah d'accord, ça explique cela. And then I should go and kill myself. Sérieux? So I will. Wow, on commence cet épisode très très fort. Je suis désolée, c'est pas très joyeux, là. Ouais. On emmerde Harrison, trouvera quelqu'un de mieux. Fuck Harrison. Voilà, hein. You'll find someone better. S'il y a quelqu'un qui vous dit un truc comme ça, mais allez, envoyez-le chier, quoi. He'll never be anyone like him. He's an asshole. Voilà, exactement. Non. Ah oui, en plus on n'a pas le choix, putain, c'est chiant. It doesn't have on va, to on va tout story. Dire en fait, putain. Moi je veux juste retrouver Harrison et lui défoncer la gueule. I've already made up my mind. So please, leave me alone now. Ah, sorry. I just want to sit here quietly a little longer before I go away. Bon. C'est Harrison. Oh putain, on va lui défoncer la gueule. Viens là que je te défonce. Il prend vraiment la grosse tête et pue l'alcool. On va le défoncer. Moi je m'en fous, on va le défoncer. It's all good. Go ahead, man. Grab a beer, like I did. On dirait que t'en as bu une de trop. Ça serait pas drôle. Non. You look like you've had one too many. Well, it's none of your fucking business. Je m'en fous, je vais te péter la gueule. Dude,
Pour lui avoir dit ça, je vais... Oh putain. Oh putain, ça va mal se finir. T'as raison, c'est pas mes oignons. Évite juste de créer des problèmes. Just try not to cause any trouble. Tabi, tu peux pas être un peu plus agressif là? I'm a lover, not a fighter. But non, t'es juste un gros coup. Just between me and you and the lovely bride over there. Touche pas à Agnès. The birthday girl's got the hots for me, man. That girl's ass. That girl's ass is the size of a football stadium. I don't think I can do it without getting super wasted. Je peux passez-moi un sabre, je vais le défoncer. Quelques baisers de plus. Oh putain, petit, tu peux vraiment être un gros enfoiré quoi. You're a disgusting human being. Voilà, exactement. Yeah, man. She is a disgusting human being. Non, non, je parlais de toi. Hey, you wouldn't have a cigarette, would you? Non, I'm all out and I'm fucking dying for a smoke. Putain, me dites pas qu'il va falloir lui trouver des... Ta gueule. You fuck voilà. Off. Voilà. Exactement. Unless you buy cigarettes, then dans ce we cas can quoi? Be friends again. Mais je veux pas être pote avec toi, en fait. Non. Hey, you wouldn't have a cigarette, would you? I'm all out and I'm fucking dying for a smoke. Mais je veux pas être ami avec lui. Oh putain, merde, on va être obligé. Je veux pas. Je crois qu'elle est Harrison. Take your hands off my jacket, you asshole. Il y a quelque chose dans une des poches. Peut-être que je devrais demander à Agnès de le distraire à l'instant. Comment je fais pour demander... Agnès, putain, reviens. Est-ce que je peux demander à Agnès... Comment je lui demande... Ah, à distraire. Putain, j'espère vraiment qu'on va pouvoir s'engager. Putain, j'espère. Can you keep him busy for a moment? Sure, but why? I want to take a look at his coat. J'adore rendre ça à 2 cm de lui. Yeah, but not inside the pockets. Non, mais le fait, y a pas de souci. Got a moment? You will not believe what happened. I just have to tell someone about it. Elle est douée, notre petite Agnès, hein. Elle est douée. La clé de sa chambre. Oh oui, oh oui. If you stop talking for just a moment, sweetheart, how about I show you my room? I don't think so. Non. Come on, girl. You know you want to. Non, non, tu le touches pas, sinon je t'arrache les deux mains. Faut qu'on y aille, chérie. Casse-toi, mon vieux. Laisse tomber, mec. Elle a dit non, ne rien dire. Tiens, je vais faire passer It's pour ma copine. It's time to go, honey. Oh, pardon me. I didn't realize you two were a couple. But hey, if you get tired of him, you know where to find me. Mais quel enculé. Oh pardon, je vais être très vulgaire, je sens dans cet épisode, mais alors là, je déteste ce genre d'individu. Okay. Right as rain, honey. I had to do something. Voilà. Oh, je t'ai sauvé les fesses là. Hein. I know. Ah. Thanks for stepping in. Elle est contente. Honey. Tu coules le péché avec ça. Are you? Nope. Nope. Alors, qu'est-ce qu'il y avait là déjà? Ah, c'est vrai qu'on devait la tuer, elle, c'est vrai. Et on avait allumé, du coup. Et ouais, ouais, ouais. Le gaz remplit lentement la pièce. Is this gas I smell? Don't worry. I've got it under control. Ouais, pas tellement, mais bon. Et j'ai un briquet ou un truc comme ça? Huile de ricin, peut-être? Non. Nope. Voir sur Sophie? Non. Voir, faut juste que je m'en aille, elle va mourir. Prends le fusil. Ouais, ça je peux toujours pas. Ah, avec l'huile peut-être, attendez. Merde. Ah, 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 mais je fais n'importe quoi. Non, ok. Qu'est-ce qui se passe? C'est sérieux? Bon, il va falloir qu'on redescende du coup. Alors. On a trouvé les clés de sa chambre. Je pense pas que ça soit au premier, mais on va aller faire un petit tour quand même. Ouais, je redescends en bas dans la cave, n'est-ce pas? Pour rallumer le gaz. Je sens qu'il va se passer une connerie entre temps. Ok, c'est ma chaise qui fait ce bout là, tout va bien. Je sais pas si vous avez entendu du coup. Room 101, 104. Attendez, peut-être qu'on a le numéro de sa 203.
200. Oui, j'avais oublié ça, tiens. Donc, vous voyez le bout de miroir qui s'est enlevé. Ça me donne l'impression d'être observé. Mais il n'y a rien de plus. Donc, c'est pas par là. Ok, du coup, vu que j'étais pas loin, on va descendre tout de suite à la cave. Et après, on essaiera de trouver la chambre de ce Harrison. En espérant qu'on puisse lui jouer un mauvais tour. J'ai terriblement envie. Oh putain, il faut que j'arrête de faire ça. Bring it back. Ah, j'avais pas vu. Well, I did take something from him. What? You don't want to know. Can you give it back? No, but now he's being a bitch about it. But... Ah mais c'est son cerveau. Mais oui, je suis con. C'est le cadavre. Pulling that lever back. And I've got a feeling he'll do it again and again. So, if you can't give him what he wants... Ah mais quoi? Then maybe we can bring him something else instead. Oh putain, le cadavre s'est déplacé, genre, oh là là. For a replacement. Une pièce de rechange. Oh, je crois que je vois absolument ce qu'il faut faire. Aller aux cuisines. Putain, on a trop de trucs à faire en fait, c'est terrible. on va peut-être faire ça maintenant du coup. Vu que je suis pas trop loin, faut que j'aille aux cuisines et que je prenne un cerveau de cochon, je pense. Par contre, je sais pas si j'ai un truc pour découper la viande ou s'il y avait un truc là-bas. On va voir. Ah, c'est... un truc de fou mixeur. Non. La casserole. Genre le cochon. Ah non, peut-être celui qui est au frais plutôt. Eh, mais par contre, j'ai pas de couteau, quoi. Et ouais. J'ai mon herbe, genre normal. Poor Piggy. Don't start feeling sorry for it. It was born to die. Pigs are really intelligent, you know. Their brains are very similar to ours. Voilà. A pig is a pig. That's all it is. Voilà, voilà. C'est vrai que là, c'était assez facile à deviner. Je croyais qu'il est mort, ou bien il ne fait que dormir. Par contre... Ouais, par contre, j'ai rien, quoi. Je sais pas quoi va me servir cette huile de riz, hein. Bon, a priori, j'ai rien. Je pensais qu'il y avait un couteau. Ouvrir le gaz. Ouais, non. J'ai pas l'impression. Bon, du coup, bah, on peut pas faire ça tout de suite, je suppose. Donc, on va reprendre l'ascenseur. Putain, les boules. Bordel. On va retourner au deuxième étage. Si je dis pas de bêtises. On va essayer de trouver la chambre de Harrison. Je pense que ça doit être par là. C'est la chambre 203. Chambre 201, ouais. Et chambre 202. Oula, ça a bugué. Purée, j'ai tellement envie de lui faire un énorme vieux coup. J'entendais un bruit. J'espère qu'il va souffrir. Oui, oui. Oui, oui. Je vais bien, hein. Oh putain. Super la chambre. Alors. Garde-robe. Regardez plus près. Oh, c'est pas une garde-robe ça, c'est une... C'est une... Une coiffeuse. C'est mis libre. Il y a une page arrachée qui sort du livre, je vais la prendre. Très bien. Ouvrir tiroir. Oh! Il y a des sous... Ah bah je vais pouvoir prendre des clopes. C'est vrai qu'il veut des clopes. J'ai pas tellement envie mais bon. Du scotch et un peu d'argent. Et bah oui, tout prendre. Et oui. Et a priori c'est bon. Je pense pas qu'on puisse... C'est déjà ouvert, ouais. On peut pas ouvrir l'autre. Examiner le livre. J'ai déjà pris la page, le livre lui-même ne me semble pas important. Très bien. Mais écoutez, c'est tout ce qu'il y a. On peut pas empoisonner sa cigarette. Ça serait tellement génial. Alors... Où est mon petit billet 10 livres. Utiliser. On va pouvoir récupérer des cigarettes. Des cigarettes. Cette fois, ça tombe, hein. Alors, récupérer. Eh bah, dis donc. T'as eu du mal, hein. 204.
Là, je me demande si on va rentrer dans toutes les pièces, qu'il y en a quand même pas mal. Je me demande si on va toutes les faire. Ah putain, ce tableau. Eh ben écoutez, c'est parti, on retourne au troisième étage. Lui donner sa cigarette. En espérant qu'il s'étouffe avec. Et puis le tabac, c'est pas bien, tout le monde le sait. Il y a qu'à pas fumer. Ok. Hey, you wouldn't have a cigarette, would you? I'm all out and I'm fucking dying for a smoke. Ouais. Ah bah merde, il faut que je sonne, oui. Je peux fumer devant lui. J'en ai encore très envie et je veux pas être accro à nouveau, il suffit d'une seule. C'est bien, tu as bien raison. Cigarette? Oh fuck yeah. Hey man, you can't smoke here. See that sign? Are you for real? Ah oui, en effet, ouais. Who gives a shit? Look, you'll just trigger off the fire alarms and the sprinklers. Do we really want to get drenched? Well, that would ruin my hair. There's a bathroom just there. Mais ça sert vraiment à rien. In the bathroom. Now that's a great idea. Ah, d'accord. C'est ça le truc. Ok. Le gaz, la cigarette et tout explose. Et là, du coup. Mais ouais, mais du coup, le gaz, il est pas allumé. Merde. Done already. I have to make it quick. Someone's left a fucking mess in there. Ça a pas l'air de le choquer, hein. Tout va bien. Bon, je pense que je pourrais lui repasser une cigarette et refaire le truc. Par contre, ce qui m'embête, c'est que je sais pas quoi faire maintenant. C'est très emmerdant. Parce qu'il me faudrait un truc pour découper le cochon. Et j'ai rien. J'ai rien du tout. Je regarde si j'ai pas oublié un truc par là. Oh, look at me. Please. Bon, ok, d'accord. Mince, je sais pas trop quoi faire. C'est la première fois que je me retrouve un peu coincé là. Il me faudrait ouais un couteau ou je sais pas quoi pour mais comment je vais faire hein? Quatrième, il y a quoi déjà? Ah oui, c'est là où on tombe, non? Je peux y aller maintenant? Ah mais oui, d'accord, ok. Ouais, ça m'a débloqué du coup. Jouer. C'est la musique de The Cat Lady. Hey, I know this one. Oui, mais moi aussi. It's Coldplay, right? Non, je crois pas. No. It's not Coldplay. No. But I'm sure I've heard it before. Keep playing. I've almost got it. Ok, je continue. Je sais pas à quoi ça va servir, mais... C'est pas si mal que ça, notre petite Jo. Ah, c'est You're pretty good, Joe. Ah non. Nah, I haven't played in years. Anyway, that's enough. We don't want to spend all day fooling around. Mais si, je veux bien. Oh purée. Ok, c'était juste un petit succès, d'accord. Now she make in their bed, voilà, c'est ça le... Putain, j'ai écorché le nom, mais c'est ça le titre de la musique. Bon, maintenant, je suis bien embêtée parce que je ne sais absolument pas ce que je dois faire. Je n'ai pas de couteau. J'en ai pas de moyens. Bureau de la directrice? Directrice, ça va être la seule membre personnelle ici. Ah, mais oui, c'est la fille! Oui, tout à fait. Ça donne bien envie. Ah, mais c'est quoi, c'est... Oh. C'est un peu sexuel, regardez pas. Quoi? Mais y a rien? On peut rien faire? J'adore la corde juste au-dessus de son bureau, c'est génial. Oh, mais putain, j'avais pas vu, regardez.
Il y a une femme pendue, en fait, en ombre. Et à tous les coups, c'est elle. Et on voit sa représentation morte, en fait. Enfin, son fantôme. Sa représentation morte. Putain, mais... Oh, c'est... Oh, mon Dieu. Mais du coup, il n'y a rien à faire. Pff, Joe, pas plus perturbé que ça, hein, comme d'hab. Je n'ai pas vraiment envie de retourner à l'intérieur. D'accord, mais moi, je suis coincé. Je suis coincé. Bon, bah écoutez, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous laisserai réfléchir de votre côté si vous avez des indices. Attention, me dites pas la solution, mais si vous avez un indice à me donner pour continuer l'aventure au prochain épisode, et ben voilà, n'hésitez pas. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à partager la vidéo, la commenter, la liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et à mettre un petit pouce. Ça fait toujours zizir, voilà. Je vous fais des gros bisous encore une fois. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Dunfall.